بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons un nouveau chapitre 52, باب فضل الرجاء. Chapitre la vertu de Ar-Raja, après qu'il nous finit un long chapitre bien riche en hadith qui fait nous gagner beaucoup l'espoir. Donc Ar-Raja, c'est l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce chapitre-là, il est la vertu de l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ayat Coran qui Imam al-Nawawi cité, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant un abd as-salih, un bon banda, un soban awliya, dans l'époque de Pharaon. Dans l'époque de Pharaon, ces histoires-là, les trouve dans Surah Ghafir. Quand Pharaon lui dit comme ça, laisse-moi tout, Moussa. Mais paye attention, lui fait des autres. Et là, Moussa, alayhi salam, fait doa, protection. Et là, Allah dit, wa qala rajulun mu'minun min ali Pharaon. Un monsieur qui a iman, dans parmi dix mondes de Pharaon. Yaktumu imanahu. C'est mal, il cachait son iman, il fallait se trouver. Ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah. Est-ce qu'ils ont tout un djimon qui lui dit à mon rab c'est Allah? Donc, il continue cause avec le peuple, il essaye exhorte, il fait les autres raisonner. Il amène les autres, il essaye, il amène les autres vers l'iman. Donc, ça continue, l'histoire-là continue. Ça veut dire, qui ça djimon l'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il informe nous de ça. Là, il y a une place, il dit, voya qawmi mali. أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار كاريز مو بيبل مو بيابيل زوت في النجاة في السالو زوت جو بيابيل مو في الجفة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم زوت بيابيل مو في زو بيجي مو على في كفر avec Allah في شرك avec Allah associé avec lui ce qui m'ont pas même connaît. وَأَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ Alors qu'il moi, mon père appelle les autres vers Al-Aziz, le très grand. Al-Ghaffar, c'est lui qui pardonne tout bon péché tout le temps. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ Et, peine à doute, t'as qui c'est qui je te appelle moi, c'est qui je te appelle moi, faire shirk avec l'ila, là, ça va, quelque chose qui je te prie à porte Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas beaucoup avec juste aucun bon droit. Ni dans dunya ni dans akhirat. Wa anna maraddana ila Allah. Et qui nous tous pour retourner vers Allah. Wa anna al musrifina hum ashabun nar. Et ben qui fait excès. Alors ça ben là c'est ben habitant de l'enfer. Diffé. Là là il dit. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Je te pour rappel. Je te pour mentionne ce qui m'a fait dire là. Ça veut dire à ce temps là je ne peux pas écouter moi. Mais seulement un jour je pour rappel, je pour dire. Qu'est-ce que ça dit mon là que tu peux dire? Dans Surah Moul, nous lire, les temps ban là dans Diffé, les là, ban qui gardien Diffé, pour dire, mais pas de personne qui tu viens warning je? Kalou bala, quoi de dia un anadir? Ban là, pour dire, oui, certainement, tu es un avertisseur, tu viens. Fakad zabna, nous fin démentili, nous pas fin croali. Donc, plusieurs places comme ça, Allah mentionné. Alors ici, ça dit mon là, il peut dire, فستذكرون ما اقول لكم je pour rappel ce qui m'ont dit jet là là ayat Coran qui cité ici wa ufawwidu amri ila Allah un très joli ayat ufawwidu amri ila Allah ça veut dire moi remets tout dans Allah comment dire moi prends tout mets tout dans la main Allah moi mon faire ce qui m'ont qu'à faire imaginez un djimoun dans djimoun de pharaon qui a autant de pouvoir et autant les cruels envers ceux qui croient dans Allah, envers ceux qui ont l'iman, il peut faire un niyat pour tout Moussa, alayhi salam. Un djimoun djibouté, il dit tout ça, bonne parole là. Donc, besoin beaucoup de razan parmi Allah, soban awliya. Alors, quand il finit de dire tout ça là, il dit wa ufawwidu amri ila Allah. Je prends tout, je mets tout dans Allah, salam. Ça veut dire, moi, j'ai full confiance, full espoir dans Allah, subhanahu wa ta'ala. On a full l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah basirum bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, les basirs, les trouvent très bien de tout ce qui se bande à faire.
Alors ça c'est une formule qui est bien intéressante. Les bons nous disent allez, nous avons un problème, nous avons une difficulté, nous avons un chimique, une ferme, nous disons wa ufawwidu amri ila Allah, innahu basirun bil ibad. Bon, mais tout dans la main Allah. On a full confiance, full tawakkul et full espoir le Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouve tout ce qui ce banda peut faire. Alors ayat a continué. Plutôt l'autre ayat fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru. Allah subhanahu wa ta'ala fin protège li depuis ban mauvais quelque chose qui j'ai fin comploté. Donc définitivement dis-moi pas pour qu'il soit tranquille. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala fin protège li et Allah fin protège li de tout ban mauvais quelque chose qui ban la fin comploté. Alors nous get nous hadith pour aujourd'hui hadith 441 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيا قال الله عز وجل الله عز وجل لجيا donc c'est un hadith قدسي أنا عند ظن عبدي بي مو envers مو banda d'après sur l'impression qu'il y en a le moi. Zon ici veut dire, normalement zon veut dire une qualité pensée qu'il est capable de penser vers un côté ou soit à l'autre côté. Et vrai ça, pas vrai ça. Un affaire comme on dit, un doute, pas peine à certitude là. Mais ici, zon veut dire yakin. Zon veut dire l'impression. Zon veut dire qui iman, qui yakin, un dimon en a le Allah. Est-ce qu'il y a une place tout dans la main Allah? Est-ce qu'il y en a l'espoir le Allah? Qui Allah pour pardonne-moi lui. Pas fait rien quand même quand c'est péché mon fait. Allah pour pardonne-moi lui. Quand même qui quantité mon à la droite à gauche, même pour retourner vers si mes droites, Allah content. Allah content moi lui pour pardonne-moi lui. Ou soit il a dit mon, il peine à l'espoir le Allah, il peine à l'iman, même le Allah. Comment nous finissons déjà expliquer plusieurs reprises. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi pour envers sa bandala, d'après l'impression qu'il fait le moi. Par exemple, s'il dit que Allah compte en moi, Allah pour pardonne-moi. Alors Allah pour montrer son rahmat, Allah pour pardonne-moi. Mais si dit mon là, il est arrogant. Ou soit il perdit l'espoir que nous trouvons au commencement du chapitre dernier, qui ça lui haram ça. Pas gain droit perdit l'espoir. Pas gain droit dire non, ayo Allah pas pour pardonne-moi. Ayo moi, non, pas gain droit, il est haram ça. Les faraz pour en l'espoir, pour en raja le Allah. Donc, si dit mon là, il perdit l'espoir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour act accordingly, comment nous dire. Alors, ana inda dhanni abdi bi. Si un jimoun pense à Allah grand, Allah pour montrer son grandeur. Un jimoun pense à Allah rahim, Allah pour montrer son rahmat. Allah ghafour, Allah pour montrer pour pardonner son péché. Allah li kaf ouvert ban simé, kote pena simé, Allah pour montrer lui. Pour sa yakin, sa taqwa qu'il finit là, Allah pour ouvrir ses mains pour lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pour agir envers Zimoun d'après ce, l'impression qu'il y en a, le Allah, d'après son iman, son yakin, son raja qu'il y en a. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Et moi ensemble avec lui, n'importe quoi ça lui mentionne moi, n'importe quoi ça lui fait musical. Et dans l'autre place, dans l'autre riwayat, hina yadhkuruni, n'importe quand lui fait musical. Ça veut dire, dans l'espace, dans n'importe qui point dans l'espace, qui place qui dit mon là était Allah lié ensemble avec lui, et que soit n'importe qui point dans les temps, ça veut dire n'importe qui moment un dit mon lui mentionne Allah, Allah avec lui. Ne pas pour dire physiquement Allah avec lui, peine physique, comme nous déjà expliqué bien longuement là, ne pas pour qu'à mettre lui, m'a dit Allah côté, mais Allah là, Allah pas là, non, ça c'est pas mal, quelque chose qui nous dit. Alors, Allah lié avec lui, ça veut dire Allah son connaissance, Allah son rahmat. Tout ce qui est bizarre avec Allah, Allah l'est avec lui. Comme Allah dit dans le Coran, « Wa ana ma'akum aina ma kuntum » Moi, ça m'avec zot, n'importe quoi ça zot été. Donc, n'importe quand un jimoun lui mentionne Allah, Allah avec lui. Faudrait pas jamais un jimoun lui sentir tout seul, lui peine à personne pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Donc, lui n'est qu'un pour ena sa yakin, sa raja, qui Allah pour tiè moi là-bas. Allah la même. Allah mon Rab lui la même. Et là, là, Allah subhanahu wa ta'ala définitivement, il est la même. Wallahi, Allah dit, donc il fait serment lui-même. L'Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil fala. Comme un autre hadith qui mentionne plus en détail ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala est plus content.
Les plus contents ici, ça veut dire dans ce rida qui vient plus. Les plus contents quand ce banda fait tauba, retourne vers lui. Les quittent mauvais semaine, ils retournent vers lui, ils ne font pas péché, ils retournent vers lui, ils font istighfar, ils font tauba. Les plus contents qui ont dit, comme l'exemple nous fait trouver dans plusieurs places, ils dans le désert et ils perdent ce samo, ce samo est dans ce délo, dans ce manger, dans tout, dans toute cette provision. Nous connaissons quand samo perdit, pas regagner ça. Alors ça dit, on a perdu tout l'espoir. Alors ça dit, on a le reposer avec l'espoir pour les morts, mais seulement quand il est levé, il trouve ce samo devant lui avec toutes affaires là-dedans. Donc qui quand c'est ça dit, on a le content. Allah le plus content qui ça, quand ce banda il retourne vers lui, il fait tauba, il fait istighfar. Ça l'espoir ça. Qu'est-ce qui quand c'est l'espoir? Allah lui-même lui peut dire, lui peut donner nous. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Et ça c'est nous trouvons dans hadith Wali, c'est lui qui costait avec moi, qui rapproche avec moi une quantité, un empan, sa quantité un lamella, moi mon costait avec lui quantité un zira, sa quantité là, et c'est lui qui costait. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. C'est lui qui costait avec moi quantité un coudée, moi mon costait avec lui quantité quatre coudées, ça veut dire un envergure. وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلْ وَسُوَهَرْوَلَ. Et s'il vient vers moi en marchant, moi je galope moi le vers lui. Donc nous t'ai déjà expliqué ça, ça bout ça hadith là, il paraît dans l'autre hadith aussi. Alors là-dedans, il y a un concentré de plusieurs hadiths, et là là-dedans aussi. Il concentré dans sa hadith là, comme on dit, dans différentes places que nous gagnons l'espoir. Quand on s'y nous pense ça, nous disons, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a n'importe quand me rappelle. Allah me fait un pas vers lui. Alors il fait plus beaucoup vers moi et me marche vers lui, il galope vers moi. Donc là-dedans, nous avons beaucoup l'espoir. L'autre hadith qui est dans, presque dans le même sens, hadith 442, wa an Jabir radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Jabir radiyallahu anhu, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لفنتان رسول صلى الله عليه وسلم جاء 3 ans avant sa wafat, 3 ans avant que رسول صلى الله عليه وسلم fait wafat, لفنتان جاء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Qui jamais personne parmi eux n'est pas mort sans qui l'infini dresse son don, son impression, son iman, son yaqin, son raja qu'il y en a l'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui veut dire ça? Rasoul Sassam, donc, peut dire, nous prépare-nous avant nos mots. Quand ça, avant nos mots, là? Il y a dans 50 ans, il est capable d'aller un petit moment. Alors, depuis à cette là-même, fini, commence, prépare-nous, don. Alors, ça, c'est un autre exercice qu'il nous a fait. Nous l'impression de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un travail individuel qui chaque dimanche bien faire le sur le cœur, le sur l'esprit. Mon analyse moi-même, mon pensée. Qui m'a peut penser le Allah là? Quand moi dans telle situation, qui m'a peut penser le Allah? Est-ce qu'il m'en a yakin le Allah là? Est-ce qu'il m'en a taqwa le Allah? Est-ce qu'il m'en a raja le Allah? Il arrive telle situation. Est-ce qu'il dans mon esprit m'en fini give in, m'en fini abandonner, ou soit m'en dire non Allah là même? Dans différentes situations, je pose moi une question. À tel point que quand il arrive là pour faire wafat, comme à la koulmout, il vient, moi, il a full l'espoir de Allah. Alors, Rasoul Salam dit, fait une démarche qui jamais, je ne pas, moi, sans qui je t'en a full, husnudhan. Alors, cette expression-là, husnudhan, ça veut dire, nous pense meilleur de Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous pensons meilleur en termes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur. Premier, nous aqidah le Allah. Qui nous croit le Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous besoin apprendre des petits, nous construire. Deuxième, nous tawakkul le Allah. Qui quantité nous a tawakkul le Allah? Nous place nos confiances au Allah. Qui quantité nous croit dans sa grandeur? Qui quantité nous croit dans le fait qu'il y pardonne mon péché? Qui quantité nous croit dans sa rahmat? Nous piatan sa rahmat? Qui quantité l'espoir nous en a dans lui? Ça, les bizans viennent bien faux. Et les bizans viennent plus faux quand moment qui nous roule et sorti. Ça, c'est conseil, recommandation que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut donner nous. Mais par contre, là, comme Allah mentionne dans le Coran, sous-udhan, mauvais pensée de Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre une limite à Allah. Dire qu'Allah n'a pas pour faire ça, pas pour faire l'autre.
ou soit dans telle telle situation les là al gain recours avec ban les autres apporte Allah perdit l'espoir dans Allah al galoupe à droite galoupe à gauche dans ban moyen qui Allah pas content qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas content ça c'est sou'udhan alors que nous besoin cultive husnudhan alors nous besoin d'iman doa nous faire doa qui Allah subhanahu wa ta'ala li donne nous husnudhan loli meilleure impression, meilleure iman, meilleure disposition dans les cœurs et dans l'esprit vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, meilleure pensée, qu'il cultive ça dans nous, nous parmi nous-mêmes, nous pas pour capables de faire rien avec nous-mêmes, alors qu'Allah guide nous vers soban awliya, soban dimoun, qui sont capables de faire ça pour nous, sont capables d'aider nous là-dedans, ban mashaïf, qui je traîne nous pour faire ça, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous cultiver ça, et qui nous husnudhan. Nous pensons, nous tawakkul, nous raja l'oli, les vins plus faux quand malakul maud petit à nous roux, et qui nous retourne li, et nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est satisfait avec nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.